Salut à tous et bienvenue dans Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, cette chronique est faite pour toi. Et cette semaine, on va parler de MLB The Show. Let's go! En décembre 2019, la MLB avait annoncé le renouvellement de son contrat avec Sony pour continuer à développer des jeux de baseball sous licence officielle. Le constructeur avait alors accepté la sortie des futurs titres MLB The Show sur d'autres plateformes que la PlayStation. Cela va se concrétiser avec MLB The Show 21 qui sortira sur PS5 et PS4 mais aussi sur Xbox Series X et S et sur Xbox One. En prime, les deux communautés pourront jouer ensemble grâce au crossplay. Et ça, c'est plutôt le côté bonne nouvelle. La progression cross-platform permettra en outre de gagner et d'utiliser du contenu sur la plateforme et sur la génération de votre choix. Comme ses prédécesseurs, le jeu sera uniquement jouable en anglais. On peut dire que MLB The Show 21, c'est un gros succès critique et commercial annuel aux États-Unis puisque la licence MLB The Show, développée par Sony San Diego Studio, débarque pour la première fois sur Xbox. Et ça, c'est un événement. MLB The Show 21 est le nouvel opus du jeu officiel de la Ligue de Baseball américaine. Il est développé par Sony. Il s'agit du premier jeu PlayStation Studio à voir le jour sur les consoles Xbox. De plus, ce nouvel opus, je vous le rappelle encore une fois, possède le cross-platform. Sorti sur console le 20 avril prochain. Comment bien finir cette chronique? Là est la question, mais en tout cas, moi je le sais. Tout simplement pour un jeu qui va vous faire plaisir. Bah comme chaque année, c'est la même chose. La saison des sports se renouvelle et les jeux officiels s'adaptent aussi. On va parler de MotoGP 21. Le 22 avril prochain, tout simplement, on verra ce nouvel opus sortir sur une large liste de plateformes. PS4, PS5, Xbox One, Series X et S, PC et même sur Switch. Les développeurs réaffirment leur engagement avec l'accessibilité en sortant ce nouveau titre sur la console de Nintendo qui avait déjà vu les épisodes 18, 19 et 20. Alors notez que la date de sortie a été annoncée seulement 2 jours après que les droits officiels de la licence MotoGP aient été résignés avec Millstone et ce jusqu'en 2026. Et ça c'est couillu. Alors on peut donc à présent affirmer qu'il y a justement fort à faire avec MotoGP 21. Mais qu'il y aura également un MotoGP 22, 23, 24, 25 et 26. Enfin tout cela si la discipline résiste à la crise du Covid. Depuis l'opus de 2019, les développeurs n'ont qu'une marge de manœuvre restreinte en termes de nouveautés. Le pilotage est désormais très propre. Les graphismes tirent le max des consoles sur lesquelles le jeu tourne et surtout... les modes de jeu arcade sont plus ou moins interdits à cause du contrat officiel. Du coup, pour MotoGP 21, les nouveautés seront centrées autour, bien entendu, du volet e-sport, mis en valeur sur MotoGP 20 grâce au confinement, qui va gagner en taille, de nouvelles courses et de nouveaux championnats en ligne seront lancés, ainsi que des courses à durée limitée pour faire écho aux vraies épreuves. Alors le joueur devra désormais relever sa moto lui-même et n'aura pas de réapparition automatique en cas de chute, donc maîtriser bien vos virages. Le liquide de frein devra aussi être géré manuellement pour éviter la surchauffe et ce depuis les stands. On parlera également des pénalités plus réelles qui sont annoncées, notamment des drive throws ou pit stop obligatoires en cas de faute ainsi que des long lap penalty. Au-delà de ces quelques nouveautés très précises, on notera que le mode carrière sera lui aussi enrichi avec l'apparition d'un rôle de manager qui devra recruter une bonne équipe autour de lui. Le joueur devra trouver des ingénieurs et des coachs pour augmenter certains attributs comme la puissance moteur, l'aérodynamisme ou encore la stabilité tout en personnalisant votre moto. Ça c'est fort. Niveau technique, on aura droit à du 4K 60fps sur les consoles nouvelle génération et ça c'est plutôt fort avec la PS5 ou encore la Xbox Series X, tandis que les fonctionnalités de la manette DualSense de la PS5 seront parfaitement prises en compte. Je vous rappelle que MotoGP 21 est le nouvel épisode de la licence annuelle MotoGP de Millstone sous licence officielle. Le jeu propose plus de 120 pilotes et pistes, en plus d'une quarantaine de pilotes historiques. Un mode carrière avec un aspect gestion et personnalisation ainsi qu'un mode multijoueur jusqu'à 22 participants est désormais disponible. Sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC, Steam, Switch le 22 avril prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.